Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un haul de chez Action. Voilà, donc je suis allée chez Action pendant midi avec ma petite liste et ce que j'avais besoin. Et j'ai fait également un petit tour chez Aldi pour acheter de la litière pour mon chat. Et du coup, j'ai acheté deux petites choses chez Aldi. Donc, je vous le montre tout de suite. C'est des petits cotons-tiges comme ceci. Voilà, donc c'est une boîte comme ceci, bâtonnet ouaté, donc il y en a 300 à l'intérieur et c'est bio. J'ai dû payer ça 69 centimes me semble-t-il, les petits cotons-tiges, ça c'est toujours très très utile. Et il y avait une promotion sur l'Aquafresh 3, donc il y avait 4 tubes pour 1,94€. Donc c'est même pas 50 centimes le tube de dentifrice et chez nous ça part quand même très très vite. Donc du coup ça me refait un petit stock de dentifrice et du coup j'ai pris les deux sachets de litière que je prends toujours là-bas. J'ai pris également des boîtes de mouchoirs hein, parce qu'en ce moment voilà, le nez coule un petit peu pour tout le monde et du coup j'ai pris des boîtes de mouchoirs en carton tout simplement. Et du coup je suis passée chez Action, donc j'ai fait ma petite liste comme d'habitude. Dès qu'il me manque quelque chose, en fait, je refais une petite liste à chaque fois. Donc là, j'ai repris le papier bulle comme ceci au prix de 1,59€. Donc ça, c'est pour faire les colis Vinted et les envois. C'est vraiment très, très pratique. J'ai refait mon plein de sacs poubelles de la marque Dumil. Donc, c'est des 50 litres larges avec des liens coulissants. Alors là, ils étaient au prix de 1,69€ les 20. Donc, ils sont moins chers que chez Aldi. C'est pour ça que je les prends là-bas. Donc, la dernière fois, ils étaient en promo, mais là, ils n'étaient pas en promo. Encore pour le rhume et les nez qui coulent, des mouchoirs comme ceux-ci, pareil, qui sont pas chers du tout et très, très bien. C'est des Pure Soft. Donc, il y a 10 paquets à l'intérieur pour 80 centimes. Donc, ça vaut vraiment le coup. Comme d'habitude, mon gel WC de tous les temps, donc le Rio que je reprends à chaque fois. Donc là, j'en ai pris deux, il y en a un qui a un petit peu coulé dans le sac. Donc du coup, j'ai bien tout nettoyé, voilà. J'ai repris des petites piles comme ceci, Panasonic, pour remettre dans la télécommande. Et il en fallait la dernière fois pour ma fille, pour sa calculatrice pour le collège, voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est 1,69€ les piles. Je voulais tester les serviettes périodiques de chez Action. Donc j'ai pris deux petits paquets comme ceci au prix de 79 centimes pièce. Donc il y a 8 serviettes hygiéniques à l'intérieur pour 79 centimes, donc ça va. C'est des dupes, en fait, des Always. Donc je voulais tester, j'ai pris les Ultra Night et j'ai pris les Ultra Super, donc avec les petites ailettes sur le côté. Donc j'ai vu pas mal de filles en parler dans leurs vidéos et elles disent qu'ils sont vraiment très très bien. Donc si c'est le cas, eh ben, je les prendrai chez Action par la suite. Parce que là, du coup, ça en fait 8 pour 79 centimes. C'est pas cher du tout. Ensuite, ma fille m'a redemandé des trucs dépilatoires, là. Des trucs dépilatoires. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle, ces petites choses-là? Serviette hygiénique. Donc, bien 79 centimes. Je ne sais pas. Pure Soft, mouchoir. Des bandes de cire. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Excusez-moi, j'ai eu un trou. Donc, des bandes de cire froide. Donc, ça, j'ai payé ça 1,89€. Voilà, donc ma fille, elle s'en sert. Alors, elle en découpe parfois pour faire la moustache ou les sourcils. Et elles sont vraiment très, très bien, celles-ci. Ensuite, j'ai repris un déodorant de la marque Nivea. Donc, c'est une très belle découverte pour moi. Je vous en ai déjà parlé dans mes produits terminés. C'est le Soft Touch
Quick Dry, donc c'est le rose et c'est de la marque Nivea. C'est un super déodorant. Donc autant j'adore le Dove original et là j'ai fait vraiment une très belle découverte. Le Nivea, là en fait vous avez tout simplement l'impression de sentir le savon Nivea. Comme vous utilisez le Dove, vous avez l'impression de sentir tout simplement le savon Dove. Et ben là c'est exactement pareil mais en gamme Nivea et du coup je l'ai payé 1,79€. Donc c'est vraiment une belle découverte ce déodorant-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Très très bien. Et puis après les derniers achats, c'est des petites bougies. J'ai refait un petit peu le plein de bougies. Donc tout d'abord, je pensais avoir pris une vanille, mais c'est une fraîche coton. Bon, c'est pas grave, hein. Voilà, fraîche coton. Et celle-ci, c'est la Red Berry. Donc, toujours de la marque Candra. Donc, celles-ci, elles sont au prix de 1,49€, me semble-t-il. Me semble-t-il. Bougie. Bougie, 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 bougie. Ouais, 1,49€ celle-ci. Donc, je croyais que j'avais pris une vanille, mais en fait, c'est une fraîche coton. Et celle-ci, c'est la Red Berry que je connais habituellement. Elles sont vraiment très, très bien, ces bougies-là. Et ensuite, j'ai pris, pour changer, une Glade, comme ceci. Donc, elle est comme ça. Elle est mignonnette comme tout. Et j'ai pris la Radiant Fresh Berry, donc fruits rouges. Voilà, pour changer un petit peu. Donc, celle-ci était un peu plus chère. Elle était à 1,99€. Mais c'était vraiment pour changer un petit peu voilà, de bougie. Et là, je suis en train de finir toutes mes tartelettes Yankee Candle. Et puis, j'étais contente de retrouver celle-ci. Donc, c'est la marque Triwick. Donc, c'est la Soft Vanille. Donc, c'est ces bougies, en fait, qui sont avec la mèche ici en bois. Voilà. Donc elles sont vraiment très très belles. Elles sentent vraiment très très bon. Donc celle-ci, c'est la Soft Vanilla. Voilà. Donc celle-ci, elle valait 3,99€. Voilà. Et du coup, j'en ai pris une autre. Pareil, de la même marque, mais en cinnamome. Cinnamome. Voilà, c'est ça. Donc je trouve que ça sent un petit peu la cannelle. Voilà, tout simplement. Donc elle est un peu rose et toujours cette fameuse mèche en bois. Voilà. Donc j'ai refait le plein un petit peu de bougies pour rallumer parce que c'est vrai que c'est la période. Moi, cette période-là, automne-hiver, j'allume beaucoup, beaucoup de bougies. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!